hommage à un homme que l'on ne présente plus que par ses initiales. What is the biggest enemy, ISIS or Erdogan? Pendant que l'Occident se confine dans la peur d'un virus inconnu, aucun couvre-feu sur le front des guerres oubliées. Hommage au quatrième pouvoir. Grâce à un homme que l'on ne présente plus que par ses initiales, B. H. L. Bande-annonce du film Une autre idée du monde, réalisé par Bernard Henri Lévy. When you fight for your freedom, you fight also for our freedom. Juifs, musulmans, chrétiens, c'est la même chose, on est des frères. Pierre Rimbert consacre un petit papier à l'essayiste de Saint-Germain-des-Prés. Encore BHL, encore. Mais ce n'est pas nous qui avons commencé. Voilà que ça recommence. BHL publie un livre sur les aventures de BHL, accompagné d'un film de BHL sur BHL. Aussitôt, France Inter, Europe 1, France Culture, L'Express, Le Point, L'Obs, Journal du Dimanche, Libération, France 2, RMC BFM, Canal Plus, etc. lui abaisse le marchepied. Philosophe, grand reporter, écrivain et cinéaste. Bernard-Henri Lévy est à l'honneur sur Canal+. Le 7-9. Il est 7h47, Léa Salamé, votre invité ce matin, est écrivain et philosophe. Bonjour à vous Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour BHL. BHL, trois lettres, c'est presque une marque désormais. Le système BHL repose sur une armée d'obligés. Président du conseil de surveillance d'Arte depuis 28 ans. Directeur de revue. Éditeur chez Grasset. Membre du conseil de surveillance du Monde. BHL sait mieux que quiconque repérer un ambitieux frustré. Un auteur en difficulté. Un journaliste fâché avec ses amis politiques. Il le complimente dans une chronique. L'invite au café de Flore. Le promeut. Le publie. La vanité est le talon d'Achille des intellectuels. Comme le corbeau de La Fontaine, tous ouvrent un large bec. Ce système BHL a été disséqué 100 fois. Revenons-y quand même. Car lui revient toujours. En dépit des erreurs et des calomnies qu'il accumule. Beaucoup sont recensés dans notre dossier internet l'imposture BHL en accès libre qui a servi à fabriquer cet hommage. Tout commence un soir de 1977. Étiqueté nouveau philosophe, BHL apparaît dans une émission de Bernard Pivot. Il porte déjà une chemise blanche, il a 29 ans. La mission du philosophe. Pour moi, alors, la mission du philosophe est simplement, c'est pas d'ailleurs d'amorcer des révolutions culturelles, je suis en désaccord avec Maurice Clavel là-dessus, c'est tout simplement de résister à toutes les formes de barbarie, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient dites de gauche. Pour moi, c'est la solution, parce que je crois pas beaucoup à la mission des intellectuels, et je crois pas beaucoup à la force des idées, et je crois pas beaucoup à la puissance de la philosophie. Je crois que c'est quelque chose d'assez misérable, d'assez infime, et que le peu de choses que peut faire l'intellectuel, c'est d'être vigilant, comme ils étaient dans les années 30. On parlait de comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Oui, la seule mission qu'il aurait choisi, c'est quelque chose du même genre. Je dis simplement que je redoute que la gauche française ne se laisse aller sur une pente que j'appelle la pente de la barbarie, la pente du totalitarisme, ce que vous voudrez, qui sera peut-être un totalitarisme nouveau, souriant, amusant, à visage humain, tout ce que vous voudrez, mais qui sera tout de même de la barbarie, et je redoute ça. Depuis donc, BHL résiste, notamment depuis l'Élysée, où tous les présidents depuis Valéry Giscard d'Estaing l'ont reçu. La dernière fois, c'était en mars 2021. Certains lui ont même confié une mission officielle ou semi-officielle. En Bosnie, dans le cas de Mitterrand, en Afghanistan avec Chirac, en Libye avec Sarkozy. Concentrons-nous sur l'Afghanistan. C'est d'actualité puisque 20 ans après une intervention militaire destinée à renverser le régime taliban,
les Américains sont en train de quitter le pays. Un retrait, là encore, bousculé par le très rapide basculement de l'Afghanistan dans ce qui ressemble de plus en plus à un début de guerre civile entre les talibans en phase de reconquête du pouvoir et l'État afghan défendu tant bien que mal par son armée, mais un État qui aura bien du mal à se sauvegarder sans son protecteur américain. France Culture, 30 juin 2021. Mais le roman de BHL en Afghanistan commence, lui, il y a bien plus longtemps, il y a 40 ans. JT de la nuit de TF1, 29 décembre 1981. Vous connaissez bien l'Afghanistan, je le disais tout à l'heure. Au fond, c'est qui ces rebelles afghans? Ces rebelles, c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. Ces résistants afghans. Est-ce que vous croyez qu'ils ont une chance de s'en sortir, de triompher? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils n'ont aucune chance de triompher dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Il faut même en finir avec la mythologie romantique de ces résistants afghans purs et durs qui lutteraient à main nue contre des chars extraordinaires. Et il faut accepter de penser que, comme tous les résistants du monde entier, les Afghans ne peuvent vaincre que s'ils ont des armes. Ils ne pourront vaincre des chars qu'avec des fusils mitrailleurs lourds. Ils ne pourront vaincre les hélicoptères qu'avec des SAM-7. Ils ne pourront vaincre l'armée soviétique que s'ils ont d'autres armes que ces armes de fortune qu'ils négocient dans tel ou tel marché des zones de contrebandiers entre l'Afghanistan et le Pakistan, que s'ils ont d'autres armes que celles qu'ils parviennent à ravir à l'armée rouge, bref, si l'Occident, là encore, accepte de les aider. Moi, je crois que, et je l'ai dit souvent, et je le répète aujourd'hui, et je le répète en France, où notre président de la République, à l'époque où il était candidat, s'était engagé à reconnaître la résistance afghane, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est pas très différente de celle de l'époque de la guerre d'Espagne. En guerre d'Espagne, il y avait un devoir d'intervention, il y avait un devoir d'ingérence qu'un certain nombre de gouvernements, et notamment le gouvernement français, auxquels se sont dérobés. Je crois qu'aujourd'hui, le s'impose et que les Afghans n'ont de chance de triompher que si nous acceptons résolument de nous ingérer dans les affaires intérieures afghanes. Rappelons le contexte de l'époque. L'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge en décembre 1979 semble marquer une fuite en avant de Moscou. Elle ouvre une nouvelle étape de la guerre froide entre les deux blocs. Le combat des Moudjahidines afghans va apparaître comme providentiel pour contrer les ambitions hégémoniques prêtées à l'Union soviétique. Et souvent, être célébré à la façon d'une épopée. Denis Souchon racontait ça dans nos colonnes en 2016. L'article s'appelle « Quand les djihadistes étaient nos amis ». Peu importe que la quasi-totalité de ces combattants héroïsés soient des musulmans traditionnalistes, intégristes même, à cette époque, la religion n'est pas nécessairement perçue comme un facteur de régression, à moins qu'elle s'oppose aux intérêts stratégiques occidentaux. Ce n'est pas le cas en Afghanistan. En 1981, BHL soutient donc les Moudjahidines afghans. 20 ans plus tard, après les attentats du 11 septembre 2001, il va soutenir avec la même ferveur l'intervention occidentale en Afghanistan. Et quelques semaines plus tard, sur France Inter, s'en féliciter. Figure de proue. Figure de proue. Bernard-Henri Lévy. Jacques Chancel. Bernard-Henri Lévy, à chaque fois vous plongez dans l'actualité parce que ce livre, Réflexion sur la guerre, vous avez presque été obligé de l'arrêter un tout petit peu pour faire une préface parce qu'il y a eu les événements du 11 septembre et on va en revenir plutôt à ce qui nous touche aujourd'hui parce que les vrais pissent froid, les faux pacifistes, appelons-les comme ça, rêvaient de voir les Américains s'enfoncer dans ce bourbier afghan. Or, aujourd'hui, Kaboul est libéré, on y entend de la musique, on veut croire que la pensée y est libre, les femmes ôtent déjà leur voile, c'est la fin des barbus, les talibans, même les modérés. Moi, j'étais fou lorsque j'entendais parler de talibans modérés, comme il y aurait eu des nazis modérés. Absolument. Enfin, les talibans sont en déroute, mais on respire. Mais est-ce vraiment la victoire? Parce que les talibans, on ne sait plus où ils sont. Écoutez, déjà, c'est déconfiture pour tous les pisse-froids ou les défaitistes ou les irresponsables qui nous disaient que les Américains étaient en train de s'enliser, qui nous disaient que cette guerre était injuste, qui nous disaient que ça allait faire des milliers et des milliers de victimes civiles. C'est une fois de plus la défaite de tous ces prétendus experts. On nous disait « ça va être un carnage, il faudra des troupes au sol, il y aura des morts par centaines et par milliers, les victimes civiles se compteront par dizaines de milliers ».
il n'y a quasiment pas eu un coup de fusil. Les talibans ont quitté Kaboul. Donc ça, c'est déjà la déconfiture des esprits faux. France Inter, 18 novembre 2001. 20 ans après cette analyse définitive, 47 000 civils afghans sont morts, 70 000 membres de l'armée et de la police afghane et plus de 2 400 militaires américains ont été tués. Et 20 000 blessés. La guerre a coûté plus de 2 260 milliards de dollars. Soit 1 860 milliards d'euros. C'est le plus long conflit armé de l'histoire des États-Unis. Déconfitures pour tous les déconfitures, les pisse froids, les défaitistes ou les irresponsables, irresponsables. Pierre Rimbert. Pierre, on me dit que vous auriez percé le mystère BHL. Le mystère BHL, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être un secret de fabrication de ces ouvrages, puisque dans Paris Match, qui est paru le 10 juin dernier, qui est cité au début du Cavalier dans Le Monde diplomatique de juillet, on pouvait lire la chose suivante, je cite. « BHL ne nage que le papillon, plus éprouvant et plus esthétique que le crawl, même dans sa piscine à Marrakech, où deux magnétophones l'attendent, un à chaque bout du bassin. Il sort la tête de l'eau, dicte une phrase et replonge. » Fin de citation. Et donc ça pourrait peut-être expliquer le caractère parfois un peu approximatif de son œuvre. Mais bon, une autre chose ressort de ce papier assez étonnant de Paris Match, c'est qu'un personnage qui se serait donné pour mission d'inspecter les champs de bataille de la planète en costume Lanvin, avec chevillé au corps la conviction que les photos qui seront ensuite publiées dans Paris Match vont changer le monde, eh bien ce personnage-là fondamentalement une disposition comique. Et le caractère extraordinaire, c'est que BHL ne perçoit pas ce caractère comique de son propre personnage. Et à un jeune réalisateur qui un jour avait tenté de lui faire une vanne, il avait répondu, je le cite, « Sachez, monsieur, que je suis totalement imperméable à l'humour ». Et pour cette raison, BHL est sans doute l'un des seuls lecteurs de Paris Match à ne pas éclater de rire en découvrant le portrait de BHL. La déconfiture des esprits faux. Des esprits faux. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures du numéro en kiosque sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio.